Yo les gens, c'est Leonard, et on est de retour sur The Last of Us Part 2, dernier part 2. On se reprend là exactement où on s'est arrêté. Joli flashback, hein, joli flashback avec Joël. C'est un épisode qui tranche pas mal, et je pense que scénaristiquement c'est quand même pas mal. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, repose la guitare. Repose cette guitare tout de suite. Donc ouais, c'est vraiment un épisode qui tranche avec le reste. On était vraiment dans la tension, les morts, etc., etc. Et là, on reprend un épisode beaucoup plus léger avec Ellie un peu plus petite, Joël, Jurassic Park, tout ça. Enfin bref, c'est vrai que ça change. Ça change de l'ambiance actuelle, hein. Donc là, on a des parasites dans la radio, donc on a certainement quelqu'un qui essaie de nous contacter. Excuse-moi. On va aller voir ça. Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. J'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. Hillcrest. D'accord. En vrai, elle devrait rester là, puis on devait faire un QG, hein. Ouais. Ça va pas fort. Je vais le retrouver. Toi, tu l'écartes, tu écoutes. Ouais, d'accord. Attends. C'est mignon. Je crois pas en la chance. T'as tort. Elle vomit. Bon, on se retrouve en solo. On se retrouve en solo, donc plus de bruit parasite et plus de nana qui
qui me fait chier dans tous les sens. Ah, on est déjà à Hillcrest, ok. On est sur place. C'est le bon endroit. Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. Chier. Ouais, mais j'ai envie de fouiller avant. Allez, laisse-moi fouiller avant. Un trophée d'arc. Il y a forcément un arc dans le coin. Un trophée de tir à l'arc. Obligé, je chope un arc ici. À l'étage, certainement. C'est pour avancer, j'ai pas envie d'avancer, je veux trouver l'arc. Un indice comme ça, honnêtement. Là, on a du bel indice. Hein. C'est obligé qu'il y ait un arc. Quelque part. Y a pas d'étage. Merde. Ça veut dire quoi cette histoire? J'ai pas envie de lâcher l'affaire. Je suis sur une intuition là, c'est bizarre qu'il y ait un trophée de tir à l'arc. Que je trouve pas d'arc. Enfin, je suis où cette histoire? Non mais. Une blague. C'est plutôt pas mal. Un tueur de chasseurs de toute la ZQ. Donc il a un arc, le type. Deuxième indice qui a un arc dans le coin. Je vais garder pour l'arc.
Je vais trouver un arc, je le sens. Si je trouve un arc, je pourrais revenir l'améliorer. Un petit problème de micro, excusez-moi. C'est bon, le micro est en place. Excusez-moi. Le micro est en place. Ok, je suis sorti de l'autre côté de la ville. Putain, ici. Là, je suis rentré à gauche, je suis sorti à droite. Mais avec tout le linge qu'il y a là, je peux pas en prendre plus que une. Un petit truc là, tout moisi. S'il vous plaît. C'est une logique dans les jeux vidéo qui est. Relou quand même. Je fais comment pour monter?
Oh, chouette. Sont deux stimulants. On va 80. Et hop, on peut prendre ça. Ok, donc ça c'est fini. On a fini la première partie de ça. Ok. Donc là, normalement, je devrais pas me faire tuer one shot si un claqueur me chope à la gorge. Verrouillé, mais ça ne m'écrit pas, vous avez besoin d'une clé. C'est soit par l'avant, soit par l'arrière. Je suis déjà venu ici, hein. Lol. Putain, mais j'en avais oublié des trucs en fait. Système de changement d'arme, il est pas super super, hein. Je peux y battre nulle part. Chaise. Excuse-moi. Épisode coupé par la technique, celui-là. On est embêté.
Je vois pas comment aller en face, en fait, là. C'est verrouillé. Il y en a d'avoir. Attends. Il y a une fenêtre, mais. Ouais, je peux pas y arriver à la fenêtre, c'est ça que je disais. Pourtant la fenêtre mène à dehors, hein, d'ici, hein, regarde. Quand on regarde comme ça, elle mène à dehors, mais là... J'ai l'impression que c'est la seule façon d'aller là-bas, hein. Paraît bizarre. Je sais pas. Je vais où maintenant? Peut-être que je peux aller là-bas. Ça, merci, je le savais, mais c'est pas ça que je cherchais. Ma demoiselle. Fameux chien. J'ai quelque chose. Merde. Les infectés. Faut qu'on entre. Putain. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école? C'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là, ils peuvent se cacher n'importe où. C'est clair. On le trouve. Et après, on prend. Putain de clébard, quoi.
Putain, les chiens, c'est des saloperies, hein. Cette salope. Par lui la route. Entends-tu? Sérieux? Putain, mais ils sont combien ces enfoirés? Non mais le chien dans le fond là, je préférais l'avoir tout de suite là parce que... Saloperie quoi, saloperie clébard. Allez, on arrête l'épisode là-dessus sur le gunfight. Gros gunfight pour la fin de l'épisode. Merci d'avoir suivi l'épisode et on se retrouve à la prochaine. Du coup, c'était Lionheart sur Zilla Sapers Part 2, le dernier de nous part 2. Ciao, ciao!